Vivez au cœur du festival avec la Web TV des Charrues. Bonjour, merci de nous rejoindre sur la Web TV des Charrues. On refait la prog maintenant parce qu'on est à mi-parcours du festival. On va parler de la face A de l'Opus 2014 avec Dominique Morvan du Télégramme. Salut. Bonjour. Dominique. Bonjour. Avec Romain Lecomte, Ouest-France.fr. Merci, bonjour. Bonjour Romain. Et Jean-Marc Seignier, mon collègue de France 3. Salut Jean-Marc. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va pour vous jusque-là ? Impeccable. Ouais, nickel, ouais. Pareil Jean-Marc. Beau temps. On tient la cadence. Ouais, nickel. Allez. Nickel chrome. C'est parti pour évoquer la programmation, des tops, des flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti de nos émotions, ce qu'on a écrit aussi, et ce qu'ont écrit nos confrères. Allez, on attaque. Black Keys, qui commence ? Allez Romain, alors, t'es le plus jeune, tu commences. Alors ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est le bizutage en fait, on met le plus jeune en premier. Bon, bah, Black Keys, alors je vais essayer de me souvenir, c'était déjà jeudi, donc ça fait deux jours. Non, franchement, Black Keys, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça manquait d'émotion, ils n'ont pas assez joué avec le public, ils n'étaient pas assez dynamiques, c'était comme écouter un CD. Bon, ça, c'est ce que tous les gens ont dit, qui n'ont pas aimé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que musicalement, c'était super solide, c'était super carré. Ils ont des tubes, ils ont assuré. Non, pour moi, c'était un plus. Dominique ? Ouais, bah, je vais prendre un peu l'argument. C'est effectivement très classe, très pro, mais... Je pense qu'il manquait quand même un peu ce côté contact avec le public, discussion, enfin, ou en tout cas d'emporter le public avec eux. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait. C'est super, c'est un super groupe. On les attendait depuis des années, on est ravis de les voir. Mais je pense qu'il manquait un petit grain de folie. Ou, voilà, c'est très pro, très classe. Quoi. C'est vrai que c'était un groupe en plus que l'équipe de programmation attendait également beaucoup, peut-être autant que le public. Et dans ces cas-là, on a envie de les sentir un peu à nous, quoi. Ouais, mais ce qu'on oublie souvent de rappeler avec les Black Keys, c'est qu'au départ, les Black Keys, c'est un peu un accident industriel. On les découvre vraiment en France, on va dire, il y a 3 ans. Et ils sont peut-être pas forcément taillés pour les stades, taillés pour des scènes de cette jauge-là. Il y a une référence, je crois, dans la presse, où on a parlé un peu de Diesel, qui mettait du temps à se mettre en route. C'est pas complètement faux, mais c'est vrai que c'est un groupe qui a besoin d'avoir, à un moment donné, une certaine intimité. Et puis voilà, c'est un rock qui revient aux fondamentaux. Et on n'est pas là, on n'est pas sur du gabarit Rammstein. Hein. Mais il y avait aussi une différence entre le premier et le deuxième album. C'est-à-dire que les gens connaissent beaucoup le premier, qui est très rock, qui envoie vraiment. Et ils ont commencé le concert par les morceaux du deuxième album, qui est un peu moins rock, un peu. Voilà, qui envoie moins. Et c'est vrai qu'à la fin, enfin la deuxième partie du concert, quand ils sont passés au premier album, là, on aurait voulu que ça démarre peut-être plus vite, quoi. Après, quand on les regarde aussi, les Black Keys, c'est toujours un peu comme ça aussi, quoi. Enfin, si vous regardez une vidéo de concert en live, vous verrez jamais un concert des Black Keys où ça slame dans tous les sens, où ils se jettent dans le public et ils sont au milieu de la foule, quoi. C'est toujours un peu ça. Certains vont trouver ça un peu ronflant, mais c'est comme ça qu'ils font de la musique. Et perso, j'aime bien. Moi, je suis super heureux parce que j'ai des music lovers autour de moi et je le sens tout de suite. Et ça, c'est génial, on va passer un bon moment. En tout cas, c'était une super mise en bouche pour les charrues quand même. Ensuite, évoquons Fauve. Allez, on va passer du coq à l'âne, hein, on va faire un grand écart. Évoquons Fauve. Là, c'est un groupe qu'on attendait aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, moi, je ne vais pas commencer sur Fauve. Je vais laisser les confrères se faire bizuter à leur tour. Allez, voilà. Allez. Non, nous, ce qu'on a dit, c'est dans le Telegram, c'est parce que moi, je ne l'ai pas vu le concert, je vais être honnête, mais mes collègues l'ont vu. Ce qu'on a écrit, c'est on a rapproché ça d'Indochine, c'est-à-dire que soit ça plaît, soit ça plaît pas. C'est-à-dire soit on adore, soit on déteste. En tout cas, ça laisse pas insensible dans un sens ou dans l'autre. Je pense que la prairie, c'est vraiment. Il s'est passé quelque chose dans la prairie, c'est sûr, avec la jeune génération qui aime ça. Donc, je pense que ça a rencontré son public et voilà, du point de vue là, ça a rempli son rôle. Après, voilà. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'écouter en album. Sur scène, j'ai moins aimé, mais on ne peut pas non plus enlever la performance du chanteur. C'est une performance énorme, autant dans l'interprétation, il envoie, quoi. C'est vraiment impressionnant. Quoi. Et je te rejoins sur une chose, sur la pelouse, c'est vrai que moi, j'ai senti
Je suis plutôt un mec de club, hein. Je suis pas un mec de grosse scène. Et là, j'ai senti une écoute et une qualité d'écoute comme ça dans un public. J'en ressens pas tous les jours dans un festival. Ah non, mais c'est sûr que par rapport à Fauve, il y a un vrai phénomène d'adhésion. Maintenant, de dire que le public a toujours raison, c'est confortable. Moi, j'ai pas envie forcément de leur tailler des croupières. La seule chose que je me pose comme question, c'est de savoir si le phénomène va durer. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable adhésion. Pour faire référence à des années qui sont très lointaines, ça me rappelle un petit peu les années Lalanne, où je me rappelle, il y avait des concerts de 5 heures, où on emmenait tout le monde dehors en quittant la salle. Je crois qu'on est un petit peu dans la même dynamique. Maintenant, avec le secret et tous les ressorts qu'ils mettent autour de leur concept spectacle, je me pose simplement la question si le public va suivre l'étape jusqu'au bout. Ouais, et Romain, un mot ? Bah ouais. Tu m'avais dit que c'était pas ta cam. Ouais, hein. C'est pas ma cam. Bon bah voilà, je me fais balancer tout de suite. Donc, donc ouais, Fauve, c'est pas ma cam. Je fais partie de ceux dont c'est pas le truc. Pourtant, je suis jeune, donc apparemment ça devrait me parler, mais... Mais nous aussi, on est jeunes. Je les ai vus. On va dire que je suis encore plus jeune. Ah oui, d'accord. Okay. Mais pourtant... On avait dit pas les affaires. Hein, je les ai vus il y a longtemps, je les ai revus là. Et moi, je trouve qu'ils jouent leur truc trop, quoi. Au début, le côté, ouais... Enfin, au début, Fauve, quand même rappeler que c'est une bande de potes qui voulaient parler de leurs petites histoires de la vie quotidienne, de leurs certains malheurs, de leurs certains spleens. Et ils se sont retrouvés embarqués, à s'embarquer dans un espèce de concept... On représente les gens à balancer de la famille toutes les 5 minutes, c'est bon, quoi, la paix. Ouais. Donc moi, Fauve, c'est pas ma trop cam, voilà, je le dis, ils surjouent beaucoup trop, et ça, c'est pas mon truc, et c'est ce qui me fait dire que je sais pas si le public va suivre sur la durée. Ouais. Trop de sincérité vient de la sincéritude, nous, c'est ce qu'on a écrit, on a parlé de sincéritude à un moment sur Faux, où effectivement, il y a un côté... Mais peut-être que c'est sincère. Allez, on s'écoute un extrait de Christine and the Queen, parce que là aussi, il y avait un phénomène ce même soir. On va s'envoyer un petit extrait et on en parle après. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Ah, mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. D'où leur destin bord à bord. Kiss my shaft. Kiss my shaft. Christine and the Queen, qu'on attendait, enfin que moi j'attendais en tout cas avec curiosité pour savoir comment cette chanteuse, comédienne qui a amené toute son esthétique, sa soudaineté aussi sur la scène française allait se comporter sur la scène Graal, une scène Graal en plus qui a changé d'endroit. Vous y êtes allé un petit peu ce jeudi sur la scène Graal ? Ouais, moi je suis allé voir Christine and the Queen, je connaissais de nom, de réputation, mais je l'avais jamais vu en live. Et je me suis juste demandé au bout de 10 minutes, mais c'est qui cette nana ? Enfin, c'est très étonnant, son univers est très difficile à cerner, elle fait de la disco, tout d'un coup elle se retrouve en piano-voix, enfin, vraiment une grosse découverte pour moi. Et puis la scène Graal, puisque tu en parlais, vraiment aussi une belle scène qui prend vraiment de l'ampleur, qui prenait de l'ampleur chaque année, mais là on sent qu'on a vraiment un bel espace pour accueillir des sacrés artistes. Ouais. Vous avez eu quel écho sur Christine ? Moi, j'ai eu un écho qui ressemble un peu à la qualité de la production du disque. On sent que c'est un disque qui est super abouti, qui a été vraiment hyper travaillé en amont. Et le retour que j'ai eu des gens qui aiment vraiment la musique, c'est qu'il y avait vraiment une qualité de son sur ce concert qui sautait vraiment comme une évidence, quoi, qui s'imposait vraiment comme une évidence. Maintenant, effectivement, ça part un peu dans des univers très différents, mais le retour, ça a été vraiment une sorte de... Ouais, elle a essayé de chercher une sorte de perfection, je crois, pour sa première tournée, c'est assez remarquable. Donc, bonne qualité de son sur cette scène Graal, où auparavant, François, en Atlas Mountain, qui n'est pas un inconnu hein, sur la scène française, a joué devant une pelouse quasi vide. Et honnêtement, moi, au Vieille Charrue, je vois rarement un artiste qui s'exprime devant une pelouse vide. Et t'étais étonné aussi
Romain, de ça? Bah ouais, j'étais étonné, mais après, bon, j'ai pas vu le concert, quoi. J'ai juste vu des images, j'ai eu les échos qu'on m'a donnés. J'étais étonné, mais bah, de voir aussi peu de monde, de le voir aller dans le public, d'essayer de donner, mais après, est-ce que François and the Atlas Mountain est taillé pour ce genre de scène, pour ce genre de festival? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que oui, mais enfin, il faut regarder le programme. Ils avaient les Black Keys au même moment. Qui était attendu quand même. Bon, moi, François Di Atlas Mountain, je les ai vus à Rock juste avant. C'était un des très bons concerts d'A Rock. Je crois qu'il faut, voilà, faut peut-être être prudent parce que c'est peut-être aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que le monde est arrivé après aussi. Bon, moi, je suis prudent. Alors, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Quand je parlais de jouer devant une pelouse vide, je l'attribuais plutôt à une interrogation de programmation, de moment, de placement. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler avec Jeanne Russet qui va nous rejoindre. Dans quelques temps qui programme avec Jean-Jacques Thou et Jérôme Tréhorel ces 4 jours, hein, ces 4 jours qui pour l'instant se passent très bien, et puis elle aura l'occasion de nous parler de ça, hein, Jeanne, dans 2 minutes. Auparavant, on aura parlé quand même un petit peu d'Indochine, hein. Alors Indochine, on va les écouter, c'est un extrait assez court, et puis après on parle de ce groupe aussi, qui est aussi un monument de la scène française. À tous les endroits, de te faire ça, à tous les endroits, j'ai quand même bien le droit, oui, de te faire ça, oui, j'ai le droit, oui, de te faire ça, ça. Indochine, un groupe phare de la scène française qui en éclaire certains, qui indiffère d'autres. Tu l'évoquais, Dominique, un groupe qui divise. Bah, soit on adore, soit on déteste. Soit on adore détester. Ouais, aussi. Mais moi, parler de la qualité du concert. Je veux juste dire qu'à l'ouverture des portes, les premiers qu'on voyait filer dans le champ, c'était les fans d'Indochine, alors que le concert, sauf erreur de ma part, était à 23h45. Donc voilà, on demandait aux gens, vous venez pour qui? Et ils criaient Indochine, et puis ils passaient comme ça. On a eu notre petite séquence fan 2. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il y avait Rammstein l'année dernière. Bon, si on remonte, on en trouve toujours une. Hein. On a eu notre petite séquence fan 2 avec des diaporamas qu'on a publiés sur le web, des photos, des vidéos. Romain, sur Indochine. Il y en a chez nous. Ouais. Bah, nous, pareil. Après, Indochine, comment t'as vécu le truc? Indochine, c'est un groupe qui dure depuis plus de 30 ans et qui arrive à ramener toutes les générations sur la plaine de Carampule. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a des minots qui ont 16 ans, il y a leurs parents, enfin limite il y a leurs grands-parents, quoi, tant qu'on y est. Non, mais c'est assez impressionnant, et les mecs sont hyper pros. Sirkis adore jouer aux charrues, il adore la Bretagne, il le dit à longueur d'interview, alors peut-être qu'il en joue aussi, c'est facile avant de venir ici. Mais c'est hyper professionnel, hyper carré. J'ai trouvé le public très réceptif. Moi qui suis pas fan d'Indochine, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Par contre, le petit bémol, c'est après en avoir parlé avec des gros fans d'Indochine, ils m'ont dit qu'ils avaient un peu joué trop de morceaux de leur dernier album et qu'ils avaient été un peu déçus par rapport à ça, notamment par rapport à la dernière fois où ils étaient venus au Vieille Charrue. Ah, ils font pas des tonnes de dates, hein, sur cette tournée, et puis en plus, il y a des concerts référence, bah, évidemment, Stade de France. Donc du coup, effectivement, il y a peu de dates, on les observe de près, Jean-Marc. Bah ouais, ils ont fait le Stade de France, comme Jean-Marie Bigard. Je trouve que c'est un groupe populaire. Voilà, maintenant on peut pas renier. Je reprends ma formule de tout à l'heure. Est-ce que le public a toujours raison? Tu mets Indochine quelque part, il y a du monde, ils font pas de télé, on les entend, bon, effectivement un peu en radio, mais il n'y a pas beaucoup énormément de presse autour d'Indo. Ils ont eu une période de vache maigre pour faire l'histoire autour de ce groupe, parce que si ce groupe il intrigue autant, c'est parce qu'à un moment donné il y a eu un creux quand même, hein. Il y a eu un creux, et étonnamment ils ont su survivre en revenant, en faisant la même chose. À un moment donné, faut
En un faisant la même chose et en trouvant quand même une... Moi, par exemple, ma réaction, c'est de dire ils ont un son live qui est d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ils ont un set qui est d'aujourd'hui, quand même. Il y a un truc qui est super étonnant, c'est... On l'a tous remarqué, ou alors à moins d'avoir des oreilles mal placées, mais il y a quand même la partie lyrique, tout est faux, quoi. Du début jusqu'à la fin, tout est décalé. Mais j'ai envie de dire que ça fait partie de la patine, quoi. Et... Bon ben voilà, c'est pas un argument pour casser. Tout ça, je dis ça pour souligner la magie de ce groupe, qui sur le papier, au départ, a pas forcément les arguments pour emporter la mise. Et c'est ça qui est bluffant, c'est qu'au final, après 30 ans de carrière, après des périodes de houle, 2-3 naufrages, ils sont toujours là et remplissent les stades. Respect. Et cette déclaration de bien-être d'un Sirkis 100% pur beurre qui actuellement se repose dans le Morbihan. C'est de la sincéritude ou de la sincérité ? Ils étaient contents d'être là ? Bah, ils ont le droit d'être sincères, hein. Pourquoi pas ? Je suis sûr qu'ils disent peut-être la même chose en Bourgogne pour d'autres raisons, mais en tout cas, ils étaient bien en Bretagne. Ça se voyait ? Ouais, la dernière fois qu'il était venu, il avait fait une petite bourde en disant que ça paraissait petit par rapport au Stade de France. Peut-être qu'il avait aussi envie de réparer un peu ça. C'est peut-être une maladresse. C'était voilà, peut-être qu'il voulait justement dire avec sincérité qu'il se sentait bien ici. Voilà, je pense. Bretonne, breton, comme disait Stromae hier soir, nous allons accueillir Jeanne Russet à notre table. Gros applaudissements. Bah pour lui demander justement. Sur Indochine, si elle, en tant que programmatrice, avait des attentes, si par rapport au... On n'a pas soulevé beaucoup de tops, mais... de beaucoup de flops, on a surtout parlé pas mal de tops, finalement, mais de nous dire un petit peu sur ce qu'elle a entendu, lui, si ça lui a écorché l'oreille ou pas, et on va lui demander énormément de sincéritude. Je vais essayer d'être sincère, promis. Non mais c'est vrai que quand on construit une programmation, on sait jamais finalement vraiment ce que ça va donner. On essaye vraiment de voir tous les groupes tout le long de l'année sur scène pour les imaginer au mieux chez nous. Sur quelle scène, à quelle heure, est-ce que c'est mieux en fermeture, est-ce que c'est mieux de nuit, est-ce que c'est mieux... Voilà, mais on sait jamais vraiment ce que ça va donner chez nous. Tu fais référence à François de Lasmontaine ? Non mais François, c'est... Je l'ai pas pris comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment hyper intime sur le festival, et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a les grandes scènes où il se passe des shows très beaux, très gros, avec des grosses productions, et il y a aussi des moments plus intimes. Moi, j'adore aller sur la scène Guernic, comme les Dac Daughters hier par exemple, les nanas complètement déjantées, c'était hallucinant. Et François, j'ai passé un super moment, étonnamment. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les gens qui étaient là ont apprécié. C'était authentique. Ça se passe comment, le repositionnement de la scène Graal ? Alors en fait, dans ton regard de programmatrice ? Mais je crois qu'on est plutôt contents. On avait vraiment envie de surprendre le festivalier. On s'est dit, bon, on va changer. Au départ, on a voulu changer plein de choses. On s'est dit, bon, on va essayer quand même de se recentrer. Et donc, on a fait ce switch entre la scène Graal et la scène Guernic, avec des changements de scène aussi, changement de scène Graal et changement du chapiteau Guernic. Et je pense que ça fonctionne. Vraiment, les artistes nous le disent, les techniciens nous le disent, les festivaliers nous en parlent, nous disent vraiment c'est bien, Graal, c'est chouette. Et je pense que ça vit bien. Et à voir pour la suite. Sur, vous avez peut-être des questions à poser à Jeanne, en fait ? Ou... Non, moi je voulais juste dire que sur Graal, je suis assez d'accord, c'est une scène qui monte depuis plusieurs années. C'est vrai qu'on s'y sentait presque un peu à l'étroit en fait ces dernières années. Et puis c'est une scène où ouais, vraiment qui prend de l'ampleur. Les artistes attirent de plus en plus de monde, même du monde des scènes principales pendant les concerts sur les scènes principales. Moi c'est probablement ma scène préférée au Vieille Charrue, à la scène Graal. Bah, c'est la scène de l'émergence, en tout cas. On peut se permettre de mettre, ouais, un petit peu plus de découverte, en tout cas. On peut commencer à dire ça. Hein. Et sur Indochine, avant de passer à la journée, enfin à la soirée d'hier, sur Indochine, est-ce que finalement il y avait un risque que ça se passe mal ? Non, c'est quand même un groupe qui voilà, le show il est rodé. Nous, on était allés au Stade de France voir justement la prestation. Bon, on n'a vraiment pas été déçus.
C'est vrai qu'il y a, il y a de la pyro, il y a des confettis, il y a des... voilà, et puis c'est un enchaînement de tubes. Et moi, je trouve ça plutôt courageux, en fait, d'avoir joué pas mal de morceaux du dernier album. Je trouve ça bien. Pour un groupe, justement, c'est qui ne va pas dans la facilité. Et puis le dernier album, je le trouve un peu différent et en même temps hyper intéressant. Au registre des attentes, il y avait hier Miossec avec aussi une interrogation sur, non pas sa place en tant que telle dans la programmation, mais son positionnement dans une soirée avec des grosses locomotives. Un Miossec dont on a toujours une image de fragilité sur la corde. Laurent Lavige, hier, qu'il a rencontré, a bien transmis cette espèce toujours côté de défi. C'est ce que vous avez titré d'ailleurs au Télégramme, le défi de Carré. Pourquoi vous avez donné ce titre? Est-ce qu'on s'inquiète autant pour lui à chaque fois? Bah ouais, on l'aime bien, donc on a peur qu'il se plante, quoi. Je pense que c'est ça. Il est fragile et c'est aussi ce qui fait ça. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais c'était le défi. Bon, ouais, vous avez compris que c'était aussi une allusion au défi brestois. Hein. Mais c'était le défi parce que il avait la plus mauvaise place. Enfin, la place la plus difficile certainement de la soirée entre Elton John et Stromae. Il fallait en avoir pour remonter, essayer de récupérer le public. Et je pense que ça a quand même fonctionné. Après, les fans ont adoré, je pense, mais je trouve c'était vraiment super dur, quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu être sévère avec lui. Il y avait sans doute des défauts dans le concert que des fans aussi nous ont fait remarquer. Mais vu la position, c'était déjà sacrément bien ce qu'il a fait. Est-ce que ça, vous, si vous l'avez vu ou si vous avez eu des échos, est-ce que ça s'est bien passé pour lui? Moi, de toute façon, j'ai envie de dire que ça ne peut que bien se passer. Parce que c'est un des derniers gardiens du temple. C'est quand même quelqu'un qui a un background énorme et qui peut, même dans un festival, même si son terrain de jeu, son jardin, c'est des endroits plus intimistes, mais même dans un festival, il est capable d'imposer son histoire, son univers, de dire voilà, le temps d'un concert, on chamboule la règle du jeu, on va pas crier, on va pas battre des mains à chaque refrain, on va simplement se poser, écouter. Regardez, j'ai une histoire à vous raconter. Ça, c'est le Miossec du début. C'est le Miossec d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va, je pense, garder les clés de la maison encore longtemps. Et on va s'en apercevoir. Et je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à l'aimer. Tu parlais des débuts, et c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup écouté sa voix, en fait, un petit peu comme un médecin, je voulais voir l'état de sa voix sur scène, parce que finalement, quand on a peur, quand on est fragile, c'est dans la voix que ça se sent en premier. Et puis on était sur le fil comme ça, pour être honnête, je l'ai vu par écran interposé, hein, mais avec la qualité de son, de la captation, et puis cette voix était là, toujours sur le fil. Mais comme tu dis, ça a toujours été comme ça. Un mot sur Miossec, Romain? Tu l'as découvert? Non, faut quand même pas déconner non déconne. Plus, j'ai pas 14 ans quoi. J'en ai 17, merde. Non, plus sérieusement, Miossec, c'est un artiste que j'adore déjà. Et que je connais, oui. Et surtout, on sentait qu'il était content d'être là. Il est chez lui, il est content d'être dans le Finistère. On sentait que les gens étaient contents qu'il soit là. C'est vrai que l'heure à laquelle, enfin, le moment auquel il était programmé était pas forcément évident. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion dans ce concert. Après, j'ai aussi trouvé qu'il savait très bien s'entourer et que les musiciens qui étaient avec lui étaient vraiment très très bons. Un backing band très juste. Par rapport au positionnement du concert, moi je trouve ça super intelligent. De mais placer Miossec les yeux dans les yeux. Je trouve ça très futé. C'est un vrai pari, et c'est là qu'on se met à comprendre que les Vieilles Charrues, il y a une vraie démarche artistique. Voilà, il y a un groupe un artiste incontestable qui passe enlevé de torchon, et puis derrière, on permet le temps de la découverte. Parce que Miossec, ok, tout le monde, les gens qui s'intéressent énormément à la chanson française n'ont pas pu l'éviter, mais je suis sûr que dans le public, il y a des gens qui l'ont découvert. Ça, c'est chapeau. Offrir une jauge à un artiste comme Miossec, c'est génial. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour Elton, puis
en repartant demain, en passant chez leur disquaire, bah, ils iront peut-être shipper un album de Mieux Sec. Ouais, c'est vrai que c'est jamais facile hein, de construire les horaires et qui passe avant qui, comment. Là, on voulait pas se planter. C'était le grand retour de Mieux Sec, nouvel album, retour aux charrues. Sur ces terres, on avait envie de lui offrir une belle place. Et je crois qu'il l'a bien occupé. Oui, complètement d'accord. Est-ce qu'on peut se passer, pour finir cette séquence, justement, un extrait de Mieux Sec ? Je voulais qu'on l'écoute après qu'on en ait parlé plutôt qu'avant. On s'écoute un petit peu de Mieux Sec. Tonnerre de Mieux Sec, ça nous a fait plaisir en tout cas tous de le voir comme ça, de l'écouter comme ça, placé entre deux stars. C'était complet en mars, hein, la journée d'hier, avec deux noms, deux stars qu'on a eu en stéréo finalement, Sir Elton John et Stromae. Alors pareil, on va s'écouter un extrait des deux et puis on va parler de ce gros morcif qu'on a eu hier soir. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs monsieur a un ami noir et même un ami à rien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs tout ça, ben, ça ne sert à rien. Il mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Alors d'Elton John ou de Stromae qui était finalement sur cette ligne de départ imaginaire qu'on peut pas s'empêcher d'imaginer lequel est arrivé, lequel a été le lièvre, lequel a été la tortue. Non, c'est un peu dur cette dualité. Dominique, puisque vous avez évoqué cette question de la dualité dans vos colonnes. Non, bah, nous, ce qu'on a souligné, c'est que Stromae a réussi l'exploit de... Alors, le mot va être fort, mais de quasi éclipser Elton John. Ou en tout cas, de faire en sorte que ce ne soit pas lui la seule vedette de la soirée. Alors que normalement, Elton John aux charrues, ça aurait dû être la seule énorme vedette des charrues. Pas de cette soirée-là. Et donc ça, il a réussi ça, c'est-à-dire si c'était énorme. Enfin, moi, j'en suis à 4 ou 5 éditions. J'ai jamais vu une attente pareille du public vis-à-vis d'un artiste avec Stromae. Ce que je voudrais dire, c'est que en fait, le plus énorme, en fait, je crois que c'est qu'on a vécu, sans vouloir dire qui était le lièvre ou la tortue, mais on a sans doute vécu l'une des plus grandes soirées de l'histoire des charrues avec ces deux concerts-là, avec les autres aussi, mais avec ces deux concerts-là, avec Franz Ferdinand après. Enfin. C'était peut-être, je pense, sans doute une soirée qui restera dans les mémoires comme l'une des plus grandes des charrues. Ouais. Je crois que cette image que moi j'ai eue hein, d'une pelouse de Kerempuil où en face à la scène Glenmore, c'est compact, de la fosse à la taverne 8. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et puis, c'est rare qu'on puisse écrire sans avoir l'air con deux mémoires de festivaliers. Bon, on l'a fait hier, nous, dans nos colonnes. Jean-Marc. Ouais, non, mais là, pour revenir au concert, à la performance, au spectacle de Stromae, bon, bah, c'est vrai que c'était complètement bluffant. Moi, ce qui m'a le plus étonné, j'ai certainement pas été le seul, c'était de voir l'attente des enfants, quoi. Étonnant, des enfants qui se retrouvent à écouter le même disque que leurs parents, avec une joie
étonnante quand on voyait les familles qui étaient regroupées et qui partageaient le même instant. Je crois que ça a été un vrai beau moment du festival. L'explication, on la connaît pas, hein. Pourquoi la mayonnaise prend, ça on n'arrivera pas à comprendre. Maintenant, si on doit faire un comparatif avec l'avenue d'Elton, moi je dirais que on n'a pas eu la même ferveur, c'est évident, mais on était dans une attente quasi religieuse. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu le spectacle d'Elton, ils étaient assis dans leur fauteuil, quoi. Et je pense qu'ils étaient bombardés de souvenirs, parce que ça a été un enchaînement de tubes, et il y a eu quelques envolées de piano où tout le monde a eu les poils, comme on dit. Mais il y avait un effet, justement, entre plusieurs générations, qui fait que même s'il y a eu, on se souviendra peut-être plus de l'un que de l'autre, effectivement, mais il y a eu, je trouve, tout le monde en a eu pour son... pour son grade, quelque part, entre les jeunes, les jeunots qui sont venus avec leurs parents. C'est peut-être pas un hasard si c'était complet, finalement, dès mars aussi pour ça. Parce que en venant en famille, on avait peut-être un Elton pour les quadras, pas indifférent à Stromae manifestement, et les enfants. Et pour rebondir à ce que tu dis, oui, Stromae, il y a une espèce de mayonnaise bizarre qui se passe. Il y a un truc en plus, mais quoi ? Mais il y a un truc en plus. Moi, je vais commencer par un petit aparté. J'ai pas vraiment vu le concert d'Elton John, en fait. Et c'est par choix, parce qu'en fait, je suis allé voir le concert des Casseurs-Flotteurs sur la scène Graal. Et certes, on en a moins parlé, on en parle peut-être un peu moins, mais la scène était complètement blindée. Les kids, comme on les appelle, ils étaient là depuis, je sais pas, ils avaient campé depuis 3 mois pour être là, pour être les premiers collés à la barrière de sécurité. Et pouvoir crier « Oh, Elson !» Non, mais c'était hallucinant. Il y avait une ambiance de dingue. Et cette scène Graal, je l'ai dit tout à l'heure, elle prend depuis des années. Et ça me rappelle en 2012, quand Elson était sur cette même scène Graal. Elle n'était pas au même endroit. C'était complètement blindé alors qu'il y avait moins de place. Et c'était la même folie. Enfin, il y a... Orelsan l'a dit lui-même, c'est mon album, là, avec les Casseurs-Flotteurs, avec son compère Gringe, je boucle la boucle. J'arrête de parler de pizza froide, de mégots remplis de clopes, de soirées entre potes, de PlayStation et de filles. J'arrête mon adolescence et je vais passer un peu à l'âge adulte. Mais il en a remis une dernière couche, et à chaque fois qu'il passe, il a un vrai public, il y a une vraie attente, et j'ai même vu des gens venir du concert d'Elton John, oui, et faire la transhumance vers la scène Graal. Et il se passe quelque chose à chaque fois qu'il vient sur cette scène Graal. Et du coup, ça, je voulais en parler aussi. Mais t'as tout petit à fait aparté. Raison, et c'est la preuve qu'il y avait une belle complémentarité, finalement. Ouais, mais c'est là qu'on a vu un petit peu, qu'on a ressenti en tout cas que cette scène fonctionnait à cet espace-là. Et c'est vrai qu'on avait accueilli Orelsan il y a quelques années, mais aussi Stromae en 2011. Où là, on avait eu, on avait été un petit peu victime de son succès, puisqu'on avait... On avait confirmé l'artiste assez tôt. Et puis arrivé en juillet 2011, c'était déjà un phénomène. Encore le Stromae d'aujourd'hui. Il aurait pu faire Kerouac en 2011 sans problème. Déjà à l'époque. Ouais. Et voilà, et donc hier soir, on était vraiment super fiers de l'accueillir à nouveau, et cette fois-ci sur la grande scène. Et puis je pense sincèrement, je vais être sincère, je pense qu'on n'a jamais vécu ça. C'était un moment... incroyable, une telle énergie sur scène, des paroles tellement fortes. C'est pas toujours très gai, hein, Stromae. Il y va quand même dans les paroles. En même temps, il y a des rythmes et des beats hyper puissants. Et là, toutes les générations réunies devant ce concert, j'ai jamais vécu ça. Je peux me permettre 30 secondes. Sûr, et puis c'était assez hallucinant de voir la foule connaissait toutes ses chansons, quoi. Stromae, c'est un mec qui fait des concerts d'à peu près 2 heures. Il a fait 2 albums. Et il fait durer des concerts de 2 heures où toute la foule reprend toutes ses chansons. Il n'y en a pas 15 000, hein. Il y a 2 albums. Et toute la foule reprenait à tue-tête et connaissait toutes les paroles. Et Stromae, à la différence de certains groupes qui seront un peu des épiphénomènes, on ne les citera pas. Mais Stromae, c'est quelqu'un qui va durer. On le sent, on le voit, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise tout. Musicalement, son style, ses concerts, tout est scénarisé, tout est hyper bien foutu. Et il a un grand talent. C'est que Stromae, il tourne depuis un moment. Hein. Il tourne depuis les trans musicales. C'était en décembre dernier. Donc il a enchaîné un nombre de dates incalculables.
et il arrive encore à faire ressentir à chaque fois au public qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'unique, quelque chose de différent. Et ça, c'est son grand talent, son truc en plus. C'est hyper intelligent, en fait. Tout est bien pensé, on le sent sincère, vraiment. Et puis, ouais, comme tu disais, visuellement, il y a des super moments, c'est hyper poétique. Et en même temps, il y a des moments vraiment de hyper forts, de lumière et d'électro vraiment puissant. Ouais, c'est hyper intelligent. Super. À aucun moment, on peut se demander, comme ça peut nous arriver parfois, est-ce qu'on est bien sûr de savoir si lui sait sur quelle scène il est ? Stromae, on peut s'obliger à se poser cette question, mais ça passe pas. Hein. Tout de suite, il fait sincère. Ah bah, le temps suspendu son vol, ça a été un moment magique, quoi. Qu'on soit pro ou anti, mais il y a un moment donné, il faut reconnaître les choses, quoi. Il s'est passé un truc. La foule a... Voilà, le temps a suspendu son vol hier soir, le temps d'un concert. Ça a été une pure magie. Alors, on va parler de la création hein, de cette année, Celtic Social Club. Mais avant, juste une question, Jeanne. T'as dit, en conf d'ouverture, que Fauve était un groupe qui parlait à une génération et qui allait certainement grandir avec cette génération. T'as parlé d'Orelsan, qui on avait fini avec l'adolescence, qui va passer à autre chose. Fauve, Orelsan, Stromae, on pose pas la question parce qu'on se dit qu'on va finir par le revoir ici. Mais en tout cas, Fauve, Orelsan, tu veux les revoir aux Vieilles Charrues ? Bah, c'est vrai que Fauve, on les suit depuis le début, en fait. Et volontairement, on les avait pas fait. L'année dernière, par exemple, parce qu'on s'est dit maintenant, je pense que le projet, justement, il va grandir, il va évoluer. Je les ai vus plusieurs fois sur scène, et là, j'ai trouvé qu'il y avait encore un truc en plus. Voilà, qu'ils étaient. Moi, je les ai trouvés prêts, en fait, à être sur une grande scène, et j'ai trouvé que leur vidéo, ça fonctionne hyper bien. Et ouais, je pense qu'on aime bien aussi suivre des artistes comme ça sur plusieurs années et puis évoluer avec eux et les inviter à nouveau chez nous. Allez, un mot sur Celtic Social Club. Qui a vu Celtic Social Club ? Je sais que toi, Jean-Marc, tu les as tournés. Ouais. Donc au moins d'un œil, tu les as vus. Ouais, moi je trouve que c'est un beau pari, quoi. C'est un beau pari, c'est une réunion d'artistes qui font tous unanimité hein, dans leur genre. Et moi, je me rappelle, c'est une référence au Buena Vista Social Club. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, Stéphane. À l'époque, c'était un peu déjà le mariage de la carpe et du lapin. C'était pas un pari gagné d'avance. Brahim Ferrer, Compay Segundo, on disait, voilà, ils habitent peut-être dans le même pays, mais ils défendent pas forcément tout à fait la même musique. Pourtant, la mayonnaise a pris. Et là hier soir, on a vu un beau spectacle avec quelque chose qui touche pas au folklore, justement. C'est vraiment un bel album qu'ils sont venus défendre. Et je pense que là, c'est, à mon avis, c'est une belle histoire qui commence. Mais qui, quelquefois, dans ce genre de réunion, peut... c'est le risque, hein, tomber sur le dénominateur commun. Donc un côté facile, un côté variété, peut-être. Je sais que des puristes de la musique celtique pourraient trouver ça facile. Il y a des flambeaux à reprendre. Il y a des flambeaux à reprendre. Hein. Et je pense qu'ils sont... Moi, je les vois un peu dans cette veine-là. Il y a beaucoup de gens qui ont défendu la musique celtique et il faut aussi parfois avoir des relais pour continuer une histoire. Ah bah là, il est temps. Hein. Moi, personnellement, je suis pas un spécialiste de musique celtique et de joker. Depuis tout à l'heure, t'as pas utilisé ton joker encore. Et puis tard, en plus, je suis obnubilé par une question. Je me demande ce que ça donne le mariage d'une carpe et d'un lapin. Et j'arrive pas tout à fait à voir ce que ça donne, donc je suis assez concentré là-dessus. Non, et plus sérieusement, je les ai vus, le Celtic Social Club. Moi aussi, j'étais dans la fosse avec ma petite caméra, en train de regarder ça. Et j'ai trouvé ça chouette, notamment le fait qu'un MC soit avec eux au début. Je trouvais que c'était intéressant. Après, ça demande à être revu. Mais je suis pas un spécialiste de musique celtique, mais... J'ai pas trouvé qu'on était non plus dans les canons traditionnels de la musique celtique. J'ai trouvé que c'était assez libre. Il y avait des côtés reggae, des côtés rap, des côtés un peu plus, pas folkloriques, mais un peu plus trad. Moi, après, je suis pas un grand spécialiste. C'est pas ma tasse de thé. Moi, ce que j'aime, c'est que les charrues fassent le pari de ça, quoi. Voilà, comme les tambours du Bronx et les frères Morvan. J'aime que les charrues nous surprennent. Après, c'est pas ma tasse de thé, mais... Le fait qu'il y ait une création, c'est pas tous les ans, et quand ça arrive, je trouve que c'est une très bonne chose. Et plus ils nous surprennent, mieux c'est, je trouve. Exactement. Il y avait de l'ambition, de toute façon. Hein. Ouais, je crois qu'on avait. Mais il faut.
pour voilà, c'est la petite spécificité des charrues, c'est d'avoir aussi ces moments de création où on rêve un peu, on délire parfois. Et là, ouais, c'est vrai que ça fait quelques mois maintenant qu'on prépare cette date. C'est toujours hyper émouvant. On a suivi toutes les étapes de la création. Le disque, bien sûr, et puis la production à la Sirène, qui est coproducteur aussi avec Keltia et Caramba Spectacle. Voilà, c'est vrai que les quelques secondes avant l'entrée de scène, on était tous un peu... Bon, tous un peu émus. Mais ça s'est bien passé. Et je crois que ça s'est bien passé. Jeanne, tu as 3 secondes. On va commencer un petit tour de table pour clore ce petit moment ensemble. On va pas évoquer la suite de la programmation. Tu me donnes un nom qui correspond à une attente. Arctic Monkeys. Yes. Allez, Jean-Marc. Alors moi, j'avais envie de dire, j'avais préparé, j'aurais voulu que dire Maïsken. Malheureusement, ça a annulé. Bon, on va se rabattre sur les Arctic Monkeys. Au moins, on a une partie du fameux duo des La Shadow Puppets. Mais il y a aussi, je pense, une bonne surprise peut-être à attendre ce soir du côté de Détroit. Dominique, Je dirais pas un groupe, je dirais le rock. Ce soir, c'est vraiment soirée rock. Arctic Monkeys, Détroit, Breton, enfin c'est thématique rock à fond. Et toi, est-ce que tu as une prémonition ? Bah, je vais pas aller du côté de la scène Graal, la scène des Jones pour une fois. Non, moi c'est Détroit et je pense que Détroit. J'ai écouté les balances tout à l'heure. C'était Kanta qui faisait ses balances. Tous les artistes font pas ça. Et il chantait du Noir Désir. Donc je pense que Détroit ce soir a le potentiel pour être le plus gros concert des charrues devant Stromae. Stéphane, rassure-moi. Stéphane, est-ce qu'on a le droit de faire ses courses? Est-ce qu'on a le droit de passer des commandes? Parce que des moi j'en profite. De... On ne rencontre jamais 8. Les programmatrices. Moi j'ai un rêve secret parce qu'on dit toujours que. Ouais, voilà, alors vas-y. Ils sont classés numéro 1 en Angleterre. T'as fait l'effort de venir. Voilà, j'ai fait l'effort de venir. Tu veux qui l'année prochaine? Je passe mes courses. On est quand même tout le temps, souvent en France, très éloigné de ce qu'on écoute outre-Manche. Pour preuve, il y a le festival de Bourgard qui a fait un super coup cette année en invitant Paul Weller. On ne se rend pas compte de qui est Paul Weller. Pour mémoire, c'était quand même le leader des Jams qui surclassait même les Clash à une certaine période outre-Manche. Paul Weller, il a une histoire extraordinaire après Steel Council et tout ça. Il continue aujourd'hui. Moi, je l'ai vu en Angleterre. Et quand on parlait tout à l'heure de gens qui chantent toutes les chansons du début à la fin de 15 à 50 ans, j'ai assisté à ça avec des milliers de personnes. Quand il traverse la Manche, il n'a pas le même écho en France, mais je pense qu'il faudrait faire l'effort, au moins pour rendre hommage à des groupes qui ont été à un moment donné fondateurs, de faire un jour venir ici Paul Weller. Bon, bah, le message est passé. Alors je vais te faire la grâce d'un tour de table sur les commandes personnelles. Et peut-être qu'on se verra demain pour une autre émission, qui sait. Je suis assez d'accord avec Romain, j'ai très très envie de prendre une claque ce soir avec Détroit, c'était mon petit message personnel. Merci de nous avoir suivis, merci à tous, Jean-Marc, Dominique, merci. Romain, merci. Jeanne, et on se retrouve demain pour terminer la prog de Ces Vieilles Charrues. Bonsoir.